Ma peinture est très influencée par la Méditerranée, par Montpellier. Et en même temps, je suis né à Montpellier et c'est ce que j'ai toujours connu. Et j'ai toujours dit qu'au final, la peinture, enfin surtout le lieu là où on vit, influence notre peinture. Et donc, c'est vraiment cette idée, moi, de couleurs très vives, très vivantes, très flash et plein d'énergie et de danse que j'ai envie de promouvoir dans mon art. En fait, j'ai conçu ce projet pour la résidence cabane en fonction déjà de la couleur du mur qui m'était donnée pour la grande fresque. Et donc l'idée était de travailler vraiment autour des tonalités de bleu, de vert, donc tout en reprenant cette idée de Méditerranée, surtout ici à Latte, on est vraiment à côté de la mer et je me suis inspiré par tout cela. Et j'ai aussi, je vais intégrer aussi à la fin une plante méditerranéenne par-dessus qu'on trouve dans beaucoup de... un potos en fait, qu'on trouve dans beaucoup d'espace et même chez les gens en fait au bord de la Méditerranée, même un peu partout en France. C'est connaître les usagers et l'usage du lieu est en quelque sorte important, mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quand même l'environnement en plus qui va m'inspirer, parce qu'au final je sais à quoi est destiné ce lieu, mais je ne veux pas connaître la dynamique par la suite. Et donc vraiment ce que je fais avant de peindre, c'est que je regarde un peu l'environnement, les maisons autour, les bâtiments et surtout aussi les plantes, les végétaux. Et c'est ça qui m'inspire.